Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour l'épisode numéro 2 de la nouvelle saison des Hunger Games of Sims. On retrouve les princesses qui restent, vu que c'est une édition Disney. Eh bien, voici les princesses qui restent. On a perdu Ariel au premier round. Elle n'a pas réussi à peindre des toiles d'une assez belle qualité pour convaincre son prince. Donc elle a été éliminée du game. On est encore avec 7 princesses. Et bah aujourd'hui, ce sera une autre compétition à base de fleurs. Et nous voici donc de nouveau sur le terrain, chez le prince, où nos petites princesses. Bon, il y a Réponse qui fait la gueule, et Belle aussi. Mais les autres, ça va. Elles sont plutôt de bonne humeur et de belle fraîcheur pour pouvoir affronter cette deuxième compétition où, comme vous pouvez le voir, nous allons créer des bouquets. Et oui, composition florale. Et elles vont faire donc 2 bouquets chacune. Et pareil que pour les peintures, celle qui aura fait les 2 bouquets les moins coûteux au final, eh ben, sera donc éliminée du game. On va commencer tout de suite avec Cendrillon qui va nous faire donc une composition. Allez, on va partir sur Chrysanthème blanc. Et la deuxième, une jacinthe. Tout court, voilà, on va voir ce que ça donne. Et ça y est, elles ont toutes été assignées à leur table. C'est parti, mes demoiselles. Venez donc, courez donc, nous créer des bouquets. Apparemment, le prince n'est pas là, hein. Je le vois pas, il n'est pas chez lui. C'est dommage, il viendra pas. Ah, si, il est là. Excusez-moi, je l'avais pas vu. Il est là. Est-ce qu'il va venir harceler nos petites candidates? On ne sait pas encore. Donc, c'est parti. D'accord. Oh là là, elles ont l'air de se prendre un peu toute la tête quand même. Mesdemoiselles, faites ça bien hein, et joli, hein, parce que là, le prince n'attend que ça. Ah, Réponse est apparemment la première à passer au deuxième bouquet, tandis que le prince commence à se mêler. Voilà, il dit bonjour. Je sais pas pourquoi, il est tristoun. Ah, peut-être qu'ils sont tristes aussi de la mort d'Ariel, mais bon, elle a pas bien dessiné, hein. C'est comme ça, c'est le cruel jeu des Hunger Games. Alors, comment ça se passe? Tandis que le prince, comme par hasard, il est encore à côté d'Aurore. Hein. Ouais, regardez-moi, il est beaucoup trop près d'elle, c'est pas logique. Oh là là, la main aux fesses. Oh, on t'a vu, le prince, on t'a vu. Elles vont le mettre dans l'inventaire, chacune. Alors, on va faire les comptes. Les compositions de Cendrillon. Les deux compos valent 36 simflouzes. Chez Réponse, ça vaut 36 simflouzes également. Ok, j'espère que ce sera pas tout le temps 36, parce que je serai dans la mouise. On est encore sur 36. Toujours 36.
Aïe, 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 aïe. Encore 36. Ok, mais si tout le monde a 36, c'est... Oui. Ok, tout le monde a 36. Je suis pas dans la merde, moi. Alors peut-être que je vais refaire une autre plante. Allez, c'est parti. La troisième composition a été commandée. Mademoiselle, allez Elsa, on se laisse pas impressionner par Monsieur le Prince. On travaille, on travaille. Allez, ça y est. Tout le monde a récupéré. Qu'est-ce que tu fais, toi? Viens ici. Coquine, viens là. Viens là même, je dirais. Voilà, tout le monde a récupéré à nouveau sa troisième plante. Je vais de nouveau voir les différences de prix pour voir bah, laquelle a le moins bien travaillé. 60. J'espère qu'il y aura une différence. Oui, il y a des différences. On est bien, on est sur 60 simflouz pour Cendrillon. Réponse n'a malheureusement que 48. Ouïouïouï. Voilà, ça commence à être intéressant. 48 pour Belle. Aïe! Oh là là, après j'espère qu'il n'y aura pas trop d'écart, hein. 60 pour Jasmine, elle est sauvée. Aurore, 48. Ça pue aussi pour Aurore. Blanche-Neige, 60. C'est plutôt pas mal. Et il reste Elsa, 60 également. Très bien, donc j'en ai 3 à 48 qui sont Réponse, Belle et Aurore. Je pense que ces 3-là vont s'affronter maintenant face à face sur d'autres compositions florales. Alors, nos trois coquines qui n'ont pas donc convaincu pour l'instant notre jury impartial, c'est-à-dire le prince, le jeu, elles vont nous refaire, attendez, on va faire du ou pour cette table-là. Les chrysanthèmes matin d'été. C'est parti! Mesdemoiselles, surtout, ne plaisantez pas, votre vie est en jeu. Et le prince avec. Tandis qu'ici, ça discute les unes avec les autres, avec le prince. Oh, il faut lui remonter le moral, le prince, dis donc. Il a pas l'air d'être en forme, là, le pauvre chou. Allez, mesdemoiselles, on s'applique. Encore une chance de sauver votre vie et de gagner le prince. C'est maintenant. C'est parti. Réponse, elle a un amas de 103 simflouzes. Belle, 114. Aïe, 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 Belle est sauvée. Et Aurore? Oh! Attendez! C'est my bad, elle n'a pas encore mis son dernier bouquet. Oh là là, j'ai eu très peur. Et Aurore, 103. Eh bien écoutez, on est entre Réponse et Aurore pour la battle finale. En tout cas, Belle est sauvée. Tandis que nos deux petites blondes vont s'affronter face à face. Alors, elle va nous faire une crocus parallèle violet. Elle va nous faire. Un mufflier humeur rosée. Ah, des roses. Oh, une douzaine de roses oranges. Allez-y, mesdemoiselles. J'ai choisi des compositions exprès assez onéreuses pour créer un vrai gap. 3 hours later. Ça y est, Aurore a fini sa dernière composition. Tu pourras la mettre dans ton inventaire. Et je pense que réponse. Et voilà, elle termine également. 341 simflouz. Ok, réponse. 341. Oh non! Quel enfer! On va faire la composition Merveilleux mariage. Elle vaut 228 simflouz à l'achat. Je pense que ça peut être pas mal. One eternity later. Aurore a fini sa composition qui est médiocre. Fais-moi voir, Aurore, à combien tu as. Tous tes trucs, 493 simflouz. J'espère qu'on va finir par avoir une gagnante et une perdante parce que... Et là aussi c'est médiocre. Oh là là, 493, on est exactement au même. Alors à la limite, je vais lancer le rouge romantique, qui est la deuxième plus chère. Alors que la nuit commence à tomber tout doucement sur le merveilleux monde des Hunger Games of Sims. Elles n'ont pas encore fini leur petit bouquet. Ok, ça y est, elles ont fini leur bouquet. Il est médiocre et il est médiocre. Il est à 129 et ici à 129. J'ai beaucoup de mal à les départager. Va falloir que je trouve une autre solution. Alors, 989 et pour réponse. 989, c'est donc encore une égalité. Cette fois-ci, ça va se finir sur un combat d'échecs. Et c'est donc dans la cour du château que l'on va affronter Réponse et Aurore
en un duel d'échecs. Parce que là, sinon, on va jamais y arriver et on saura jamais qui gagne, qui perd. Tandis que toutes les autres princesses rentrent à la maison. Allez, les blondes, vous vous battez maintenant, c'est fini. Il faut qu'il y en ait une qui gagne et une qui perde. Réponse n'a pas l'air sûre d'elle du tout. Elle était peut-être plus douée à faire des peintures et des fleurs, des compositions, que de jouer aux échecs. Mais oui, mais c'est comme ça. Il faut de la stratégie pour gagner le cœur du prince. Ah, j'ai l'impression que Aurore est en train de mener la danse, mais sans aucune, voilà, certitude. Aurore, qui était en facilité, se retrouve peut-être en difficulté. Ah non. Ah non! Ah non! Ça y est, on a une gagnante et une perdante. C'est Aurore qui a gagné la partie d'échecs. Et Réponse l'a donc ben, tout simplement perdue. Réponse est donc notre perdante du jour. Réponse va donc mourir. C'est triste. Mais c'est comme ça. Pour l'instant, elle est bien joyeuse, mais ça y est, c'est la fin pour Réponse. On va donc l'éliminer. Comment on va l'éliminer? Tout simplement, comme il fait très chaud et que c'est la canicule, elle va juste mourir de chaud. Voilà, je vais lui faire enfiler sa tenue d'hiver. Allez, ma cocotte, voilà. Une belle tenue d'hiver avec un bon manteau moumouton. Et on va attendre tout doucement qu'elle rende l'âme, tout simplement. Et alors qu'elle regarde les beaux nuages, cette jolie demoiselle est déjà en train de mourir de chaud. Et oui, elle est déjà le trait, la chaleur fatale, mal à l'aise, plus 99. On va attendre quelques minutes et ça devrait aller tout seul. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. La pauvre. La pauvre, elle est en train de succomber de chaleur. Et la faucheuse est déjà à l'affût pour emporter son âme de princesse. Hein? Elle était belle, elle avait des beaux cheveux, mais elle ne savait pas réfléchir, jouer aux échecs et faire de belles compositions florales. Allez, petite faucheuse, emmène donc cette princesse qui n'est pas à la hauteur de notre prince. Et voilà! Réponse s'en est allée tandis que les autres commencent à arriver et à vouloir pleurer sur son urne. On va mettre son urne de chez Cendrillon, pourquoi pas? Puisqu'elle a déjà Ariel, donc pour l'instant c'est elle qui récupère toutes les tombes. Et on se voit très vite pour un autre épisode du Hunger Games au Sims spécial Disney. Je vous fais des très gros bisous, à très bientôt, ciao!